J'ai absolument pas pensé à mon agencement. Je l'ai absolument. En même temps, est-ce que ça te surprend? Non. C'est pas faux du tout, hein. C'est ma faute, ça va bloquer. Il y aura des gens en furie. Devant, on veut rentrer, on veut acheter du riz. C'est pas impossible. Non, mais on fait comme ça, là, pour l'instant. Pas génial, mais j'ai pas d'autre solution. Après, juste... Alors, j'ai pas pensé à mon agencement, mais je me disais... Parce que pour l'instant, on a quand même de la place derrière et tout. Est-ce que... On n'a pas intérêt... Alors, je vais vous montrer. En attendant d'agrandir encore plus, de mettre ça là, en fait, de faire une réserve là, de faire avec les cartons, pour pas que les cartons traînent partout. C'est pas génial, hein, je suis d'accord. Mais... mais oui, parce qu'en fait, l'agrandissement, il est pété. Là, je peux mettre un truc comme ça à l'entrée. Et tu sais, ça cache un peu et on met nos cartons là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est pété comme idée? Je sais qu'ils s'en foutent, mais pour nous, ça fait pas très propre. Je vais rien dire. C'est éclaté au sol, mais ok. Bon, bah écoute, on fait pas ça, hein. Oh! Voilà, on veut être novateur. Résultat, c'est éclaté au sol. On fait ça, on va racheter des frigos, des congélos au milieu, espace réfrigéré. Bon, il faudrait imaginer, c'est ça qui manque, hein, des petites pancartes genre, hein, congélation, machin. Et pour l'instant, on fait ça. Et on met les cartons. On essaye de ranger les cartons ici. Tu parlais en face ? Ah, est-ce que les quatre rentrent ? Laissez-vous. C'était quoi le jeu chiant de la dernière fois? Je me souviens pas, ça fait trop longtemps. Non, les 4 rentrent pas par contre. Hein. C'était quoi le jeu chiant? Ça rentre pas, on peut mettre... Bah on met ça là en attendant. Hein. C'est pas fou, hein. Ça me plaît pas trop, hein. Honnêtement, ça me plaît pas trop, votre truc. Hein. Attends. On va perdre de la place, mais pour l'instant, on s'en fout de perdre un peu de place. Mais non, ça marche pas, mon truc. En fait, on n'aurait jamais dû agrandir, ça nous emmerde plus qu'autre chose. C'est toujours moi qui parle. Oh! Oh! Bon, écoutez, on va faire comme ça et puis c'est tout. Hein. En attendant mieux. Salaud. Merde, je pousse mes trucs. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est rangé comme ça. Ça manque de pas mal de choses. Est-ce que on l'avait débloqué la licence ou pas? Nom de Dieu. Il faut remplir déjà ça. On n'a plus rien en fait. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on fera une opération spéciale sur le papier toilette, mais je suis pas sûr qu'on l'ait débloqué. Oui, à 500, mais le deuxième paquet offert. Arrêtez là, il faut que je me concentre. Du riz, on en a plus beaucoup, on va racheter du riz. Quand tu changeras tes vues. Il y en a toujours, j'en ai toujours des gens comme ça, hein, qui me parlent de vidéos d'il y a 3 ans, mais change ta vue. Tu m'écoutes pas. Arrête, ça fait 3 ans que j'ai pas fait une vidéo. Bon, écoutez, on prend un peu de tout. Hein. On verra bien. On va gérer le stock tranquillement. Parce que là, on est à vide. Hop. On va jusqu'au... J'ai pas fait gaffe les trucs. Ça envoie aussi les œufs. Hop. On commande. On était jusqu'aux œufs. Il nous faut de tout, hein. Lait, thé noir, beurre de cacahuète, j'achète de l'huile d'olive, j'achète des pâtes, j'achète du riz à nouveau, j'achète du sel, des gâteaux, on a du pognon, on peut se permettre. Hop, gâteau,
des bonbons, des céréales, des barres de chocolat, des yaourts. Comme ça, on a tout en réserve. Allez, hop. Le riz, on peut en remettre. Notre opération sur le riz, elle a super bien marché. Hein. Franchement, j'ai hâte de débloquer le papier toilette. Hein. Des cafards dans tes crispies ? Ben oui. Il y a la viande avec. Ils sont très bons, tes crispies, Kravchenkovitch. Me dis pas que tu regrettes d'avoir mangé, d'avoir pris tes crispies chez moi. En fait, on veut ranger, mais c'est... ça part en vrille. Ils sont protéinés. T'as pris lesquels ? T'as pris ceux-là, mais ils sont maxi protéinés, c'est normal. Après, tu lis pas les étiquettes. Moi, j'y peux rien. Allez, comme ça, on va pouvoir ouvrir nos yaourts. Par contre, ce qui est un peu con, c'est que les trucs réfrigérés, en fait, tu les mets où tu veux. Hein, ça n'a aucune importance. Oh non, il me reste un yaourt. Ok. C'est pas encore plein. Hein. C'est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Chocolat. Attends. Ouais, mais ça me plaît pas. L'huile, elle est là-bas. Je vais pas la foutre là. Ah. Allez, vas-y, on va ouvrir, on verra bien. Encore que là, j'ai des cris. Ah, mais non, mais tiens, si je vais remettre là. Allez, ni vu ni connu. C'est pour les gens de petite taille qui peuvent pas. Voilà. Pour la mamie qui arrive, les gens, évidemment, ils vont pas l'aider. Et ben, elle peut quand même prendre ses chocs qui piquent, qui sont en haut. Allez, c'est ouvert. C'est ouvert, les prix, normalement, ils sont tous fixés. Donc, on est bien. On est bien, on peut attendre, ils vont arriver à 9h, comme d'hab. Mais vous rigolez, vous venez là, la caisse était fermée. Allez, c'est parti. Parfait, la pointe. C'est bien, les dames viennent à mon, viennent à ma caisse. Zéro, parfait. Tiens, il y a Monsieur Chocapic, là. Lui, direct, il prend les... Et voilà. J'ai toujours eu raison sur lui. Hein. Ah, bien sûr que c'est des bombes le matin. Et encore, tu les as pas vues marcher le matin. Hein. C'est pas ce qu'elles font dans la vie. À quelques doutes. Un petit yaourt, il s'est pris, il est bien. 1$. C'est beaucoup mieux de faire des prix ronds. Oui, certaines arrivent en boitant, oui. Pas qu'un peu. 13,50. On valide. Hop, on fait du chiffre, là. Et on va pouvoir acheter une nouvelle licence, à mon avis, à la fin de la journée. Hein. 2$. Hop. Nickel, là. En stock. Est-ce qu'on est bien en stock ? Tiens, je vais remettre un peu de chocolat là. Hop. Des rayons pleins, c'est ça que veulent voir les gens. De l'huile. Est-ce que ça part l'huile ? Ouais, ça part, c'est nickel. Hop. Le chocolat, ça part pas, ça par contre. Hein. Là, personne n'en a pris. Hein. Pourtant, je suis en dessous du prix de marché. Par contre, 4,30, c'est... Bah écoute, personne n'en a pris, je le mets à 5. Allez, hop. Il fallait venir tôt ce matin. Il y aura tes tomates cerises, arrête avec ça. Tu sais très bien qu'il y en aura. On est pour une agriculture responsable. 33, c'est validé. Chocapic, Chocipic, comté. C'est le meilleur comté de New York. Je sais pas où on est. Je crois que tu peux leur faire des prix. Genre, elle, si je fais valider, tu vois, je peux pas. Parce que, par contre, je peux lui rendre... Allez, lui met 5 centimes de plus, c'est pour la fidéliser. Je peux lui redonner plus que le compte, mais je peux pas lui prendre... je peux pas l'arnaquer, quoi. Quoi, la farine ? Je n'ai pas trouvé de farine ? Il n'y a plus de francine. Ils sont acharnés sur la francine et j'en ai plus. J'en ai plus de francine. Ils se sont acharnés, je vais en commander. Hop, même si on paye les 2$ de frais de livraison. Allez-y, j'ai plus de francine. Pas de suprême là, je sais pas quoi. Hop. On y va. Ah mais ça on dit pas l'inverse. Il va falloir mettre des lumières là. Hein. Là on a un problème. Hein. Là on a un problème d'éclairage. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il fait sombre. Hein. Tu vois, elle. Ni vu ni connu, un petit dollar, voilà, hop. C'est la maison qui paye. Lui, par contre, il va payer le juste prix.
Alors ouais, ça c'est clair qu'il va payer 83$ de rendu. Hop. Allez, on y va, on y va, on y va, on encaisse. Il y a un monde de dingue, il y a un monde de dingue. Il n'a pas trouvé, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de fromage, mais c'est pas grave. Là, on fait du business, là. Là, on fait du business, c'est validé. Allez, ça c'est validé. 1$, c'est bon. Lui aussi, le pain, il a tout pris. Les crispy, ils sont bons, les crispy. Ils sont pleins de protéines, monsieur. C'est les meilleurs crispy. Ah, on a encore un truc en 99. Il va falloir le virer. On a fait une journée de dingue. Hein. On a fait une journée de dingue. Hein. On a fait une journée de dingue. Hein. On est comme des dingues. Allez, 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 allez. Faut envoyer, là. Faut envoyer. Il n'a pas trouvé quoi, mais attends. Voilà, de toute façon, on est 9h. C'est trop tard. Le magasin va fermer. Mes frigos sont vides. On voit rien. Il n'y a pas de lumière. Je vais acheter des lumières. Je peux pas. Il est 9h. C'est fermé. Allez, hop, hop. Bah, il m'a resté quand même des trucs, sauf du fromage. Hein. L'eau, par contre, pas fou. Hein. Le lait. On n'a pas checké les prix avant de commencer notre journée. Hein. Des clients se sont plaints du prix de l'huile. Sérieux? On est en dessous du prix au marché pour celle-ci. Et celle-ci, on est légèrement au-dessus. Non, là, franchement... Franchement, ils abusent. Hein. Allez, on a fini notre journée. Et on va voir. 25 clients satisfaits. 3 produits non trouvés. Ça va. 11 produits trop chers quand même. Hein. Par contre, on a fait 210$ de bénéf. Malgré notre approvisionnement de 640$. Hein. Et on a fait donc on a plus 1160 d'argent. Bonne journée. Et par contre, les gâteaux qui montent, il faut payer les factures. On croit que c'est payé automatiquement les factures. On les avait pas payées. On s'en fout en fait alors. Mais est-ce qu'on paye pas une petite un petit truc en plus? Vas-y, je préfère quand même les payer comme ça. 9,23. Ouais, je pense qu'on a une petite retenue. Hein. 35, donc c'est bon. On a 1070 en caisse. On achète une licence ou pas? Moi je dis oui. C'est cher. Mais on aurait de l'eau de Javel, du produit nettoyant, pastille, lave-vaisselle. Moi, je partirais sur celle-ci. Ou alors, on peut acheter. Il y a 3 licences dispo. On reste dans la bouffe. Mozza, parmesan, miel, thon, œuf, pack de 4, sucre en poudre. La deuxième, c'est eau de Javel, celle que je viens de dire. Et la première, c'est jus d'orange, soda, soda, jus de pomme, lait, pack de 6, soda. Ce serait bien des produits d'entretien. Mais par contre, ça voudrait dire que faut revoir notre rayonnage. Je vais acheter l'eau de Javel. Je vais acheter l'eau de Javel, les produits nettoyants. C'est fait, c'est validé. Nouveau produit qu'on peut acheter. Mais alors ça change un peu tout. Vous savez quoi? J'ai bien envie de faire un rayon hygiène ici, en fait. Mais qui change tout le temps. Et on refout la bouffe là. Le frais. Ah non, c'est du thé. Le thé, on le met là. Est-ce qu'avec ça, je peux prendre le choco? Ouais. En fait, je vais vider là. Je vais vider là. Et je vais faire en attendant. Là, ça sera hygiène. Ici, ça sera hygiène. Bon, j'ai pas trop d'autres possibilités. Vas-y, 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 vas-y. Il faut carburer là. Hein. Ok, je range ça. Tranquille. Le gâteau comme ça, ouais, hein, ça va. Crispy, on est pas très bien. Huile. Huile, là, on est à fond. Là, ça va. Le sucre, c'est bon. Il nous manque quoi? Un peu de farine. Pardon. Hop, voilà. La farine, elle est là. On peut aller virer. On achète des pâtes, du crispy, du café et des produits d'hygiène. Pâtes, crispy, café. Pâtes, crispy, café. Eau de Javel, produits nettoyants, pastilles, lave-vaisselle, on prend tout. Savon pour les mains, shampoing, papier toilette. Allez, go. Et on n'a pas assez d'argent.
On n'a pas assez d'argent, donc on va virer le... je sais pas quoi. Putain, les pastilles lave-vaisselle, $159. Waouh. Et on doit marger comme un fou là-dessus. Je vais virer le café. Je veux voir ce qu'il y a dans ces pastilles lave-vaisselle à $159. Ah non, même ça, ça me suffit pas. En 120. Merde. Bah, je retire le savon. Non, je retire le shampoing. Pour l'instant, on n'a pas la place pour le shampoing. Allez, hop. On va bien voir. Attends, on marche combien sur les pastilles lave-vaisselle? Ça, c'est la Javel. La Javel. Comme ça, les plus futés. À côté des Crispy. Ils vont se dire, c'est le lait. Et bah, pas du tout. C'est la Javel. Et ça va faire quelques dégâts, mais... C'est ça, le marketing. Il n'y a plus de lait, mais il y a de la Javel. Le papier toilette. Ah, ça pour... Oh la vache. Ah ouais, c'est des maxi rouleaux. J'ai mis de la Javel dans des... Ah, ouais, pourquoi? Faut pas mettre de Javel dans les Crispy? J'ai dit, moi, je prends pas de petit déjeuner. Je sais pas, je connais pas les bonnes mœurs. Alors, par contre, les pâtes, je sais pas comment je vais m'en sortir. Fais voir le clean dish, là. En plus, ça prend deux trucs. Clean dish, ok. Il va falloir fixer les prix, hein, pas oublier. En fait, je vais avoir trop de trucs. Eh non, on va être bien. Eh oui, parfait. Crispy, Javel, le papier toilette est là. Franchement, et après, ça critique ma mise en rayon. Bah, dis donc. Je vois pas comment on peut, hein. Et malheureusement, bah, on va quand même mettre du féculent au milieu. Ah oui, parce que j'en fais quoi de mes pattes, là? J'ai aucun endroit où les mettre. À part là. Je suis désolé, hein, je suis obligé. Hein. On va quand même garder le carton pour quand il y aura un petit trou pour aller récupérer les pattes. En même temps, tu peux faire des pâtes à la crème fraîche. Hein. Ça va être bon, hein. Franchement. Franchement, t'as tout ce qu'il faut avec les pattes. Le produit nettoyant, 3 dollars. On est en dessous du prix du marché. La Javel, faut donner envie aux gens. 5 dollars. Le prix du marché, t'as 4,73. Et alors ça? Ouais, ouais, ok. Ça coûte très cher le prix d'achat, mais... on va mettre à 20 dollars. Finalement... on marche que 7 en pourcentage, c'est pas le mieux. Hein. Ça, c'est 100 fois mieux hein, en pourcentage. On met à 2. On met à 2 et le papier toilette. Ouais, alors, en pourcentage, c'est pas génial non plus. Hein. C'est que du 50%. Hein. Je mets à 15. Hein. 15 le PQ. Les pâtes. Les pâtes, je vais faire une promo spéciale parce qu'elles sont quand même pas très bien placées. Je les mets à 2. Le reste... On va pas vérifier à chaque fois non plus. Le riz, on est en dessous du prix du marché. Le sucre aussi. Allez, on ouvre. Allez, on encaisse. Il faut faire une bonne journée pour agrandir le magasin. Pour personne. Le PQ. Oh, dis donc, à mon avis, elle a pris la crème fraîche avec les pâtes. Hein. 4 $. On valide. J'ai oublié d'acheter des lumières. Pour ce soir, faut que j'achète des lumières. Excusez-moi, je suis entre deux là. Je m'occupe du truc. Lumière, je vais en prendre deux. Un, deux, vas-y. Hop, achète. Hop, hop, je reviens. Hein. Je reviens. Oh là 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 là, mais c'est. Elle m'a dévalisé ma farine là. Et le riz. On dit oui. Allez, 43. Oh, le PQ, j'en ai plus, c'est sûr, j'en ai plus. J'ai plus de PQ. J'ai plus de PQ, ça part comme du petit pain. Ça marche bien, en fait. Hein. Ça marche très, très bien, la Javel, à côté de... Les gens reviennent. Hein. Les gens reviennent. Je lirai après. Hein. PQ, je... Bien, je t'en prends même deux. Je n'avais pas imaginé que ça partait quand même comme ça. Je reviens, je finis ma journée. Excusez-moi. Là, on est dans le rush. Hein. On est dans... Bon, les lumières, ça attendra.
c'était pas le moment. Allez, le P. Vas-y. Bah. Bah. Si, c'est bon. Ouais, j'arrive. On fait trop de business, là. On fait trop. Il y a la queue à la caisse. Le sucre, ça part. À mon avis, il n'y a plus de sucre non plus. C'est la cata. 50 centimes. Ok, c'est validé. Bonjour, madame. Les chocs à pic, vous n'avez pas pris le avec, mais c'est pas grave. 22,50. Allez, on y est. Hop. 40$. On est bien, ça fait vraiment... ça fait mal. Ça, c'est dégueulasse. Je verrai après qui a fait ça. on va régler nos comptes. Là, j'ai pas le temps. On va ban. Ah non, ça c'est le PQ, je voulais foutre le PQ au plafond. Merde. Arrêtez avec ma musique à con. Hop. Oh là 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 là, il y a trop de monde, je suis débordé. La carte, 34$. Ah genre, putain, il vient juste pour se laver les mains, lui. 2$, hein. Je prends pas. Normalement, c'est 10$ minimum. Hein. Ça existe. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Je l'aime bien celui-là. Mais oui, je vais essayer d'aimer Biscotte, mais ça va être compliqué. Mais on va faire le nécessaire. 5, 38, allez. Allez, c'est parti. Le lait, tout part. Hop, 0, parfait. Et c'est moi ou le... ou le maçon qui a posé les spots, il était bourré. Je demande ça, mais... c'est pas hyper droit, quoi. Hein. Produits non trouvés, 13. On fait moins 73. Mais on avait acheté la licence. Et je sais plus quoi. Donc ça va, c'est pas une mauvaise journée. Eh ben le deuxième aussi, hein. Le deuxième, il les a... Voilà, après, il commence dans le métier, donc c'est normal. Il a utilisé le laser et tout, hein. Et le laser, il était un peu pété. Hein. C'est du Leroy Merlin, il aurait jamais dû acheter ça. Bon, allez. J'ai... Est-ce qu'on peut agrandir le magasin, là ? Parce que ça me fait chier, en fait, ce retour. Mais le problème... On peut faire un prêt, hein. Moi, j'ai envie de faire un prêt. Et d'agrandir le magasin et de mettre des rayonnages partout, là. C'est du Ikea. Tu sais, on agrandit cette partie-là, c'est chiant. Et là, on fera ce qu'on veut. Mais je pense qu'on va faire une connerie en faisant ça. Ah ouais, agrandir 1300. Ah non, on va faire une connerie. C'est électricien, le platch. Ah merde. En même temps, t'es un peu responsable, hein. T'es modo, c'était à toi de t'en occuper, hein. T'étais pas bien réveillé ce jour-là, hein. Ça va, le client dit rien. Oh. On va prendre un prêt sur 15 jours. 2000. Allez, c'est parti. Si c'est là, c'est pas pour rien. On va faire agrandir. Hop, 1300. Il nous reste plein d'argent. On va pouvoir. Voilà, là, ça va démarrer. Voilà. Voilà ce qu'on voulait. Là, c'est bon. Là, maintenant, on va s'amuser. Là, c'est terminé, conneries. Là, je fais du travail de pro. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Salut, Spritz. C'est devenu un... Mais oui, c'est en train de devenir un centre commercial. Mais si, il y a de la place pour passer, tu rigoles. Attends, après, c'est une petite supérette. Hein. C'est pas au champ, là. Là, on passe large. Non, on est bien. Oui, je dis oui. Ah non, c'est nickel. Et là, on va en mettre une, on va en acheter. Oh là là, j'ai envie de faire des dépenses, là. On peut refaire un prêt de 750, hein, s'il faut. Vas-y, fourniture, on va acheter deux étagères.
Je vais acheter deux petits frigos. Enfin, 800 quand même. Hein. Même trois étagères. J'en ai pour 1000. J'en ai pour 1000. Congélo, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Vas-y, on prend. On prend. On rentabilise notre prêt. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Donne l'étagère. Ah là, ça y est, c'est la fortune là. Ouais. Alors, la dernière étagère, par contre, j'en ai acheté une de trop, mais c'est pas grave. Si. Après, ils vont vachement améliorer, a priori. Hein. Ça, c'est chouette, hein. Alors, juste ça, c'est pas terrible, hein, dans l'idée, hein. Mais bon, c'est un petit magasin qui fait son truc. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, si, ça a une certaine gueule. C'est une certaine gueule, vous pouvez pas dire l'inverse. L'eau. Et là, maintenant, on va acheter des fournitures. Du yaourt, là. Je vais faire des opérations spéciales. Je vais acheter du yaourt, des œufs. De toute façon, en frais, et il y a le fromage aussi. Je vais déjà m'occuper du frais. Là, je suis en train de vider ce qu'on a. On va essayer de tout bien ranger. Là, on va faire un rayon huile. Voilà, très bien. On est un petit peu à l'étroit, mais c'est normal, moi, je trouve. On a du papier. Oh merde, on a du PQ là. Oh merde. Ah, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Là, on va faire petit déjeuner. C'est vrai que c'est un peu serré, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un métier, hein. C'est un métier, on se rend pas compte, mais... Bah, écoute, les gâteaux, c'est bon. Sel, sucre. Là, ici, ce sera les trucs de première nécessité. Sel, sucre, huile, farine. Je peux pas prendre les farines. Ouais, encore qu'il y a le pain et tout. Alors ici, je sais pas ce que je foutrais. Hein. Les crispy. Je vais faire un rayon spécial céréales. On va faire une promo céréales. Opération commerciale céréales. Ça plaît, c'est des choses qui plaisent. Faisons ça. Clairement. Clairement, là, on a l'idée du siècle. Céréales, on a dit que c'était où ? C'était là. Voilà, céréales, ça c'est bon. Fromage aussi. Oh là, on a tellement de trucs à faire. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Des céréales. On va le faire petit à petit parce que sinon, je prends deux céréales de chaque. Sinon, après, on ne sait plus où on est. Deux céréales de sac. Je prends quand même un café. Je prends du pain. Je prends trois pains. Je valide. Le frais, on va voir après. On va le faire dans l'ordre parce que sinon, c'est terrible. Ouais, mais le café tout en bas, c'est un peu con, non ? Vas-y, les gâteaux, je les reprends, je les mets avec les gâteaux. Enfin, juste en dessous, quoi. Et 200 de gâteaux. Voilà. Et ça, je... Voilà. Ça va prendre forme. Et là, c'est café. Café, et donc il me faudra un café, un thé. Ok. Là, on est bien. Chocapic. Il m'en reste, c'est normal, c'était prévu. Opération spéciale. Bon, c'est pas tant que ça. Changer un peu. Ben, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Ah bon, en plus, oui, ben, on va faire opération pain. C'est les trucs que les gens mangent, ça. Hein. Ouais, non, on reprend du pain, on va mettre plein de pain. Oh, je crois qu'il me restait des trucs dedans. Non. Opération pain. Opération pain, la promo du jour sera sur le pain finalement. Voilà, parce qu'on est bien garni en pain. On va tout de suite vérifier. Oui, il me semble que j'ai acheté du pain. calmez-vous. 3$, on est en dessous. On reste à. Bon. On est en dessous. Y a pas moins cher. Normalement, l'opération pain, ça va cartonner. On a dit. Alors ouais, en produits frais, on n'a plus rien. Vas-y, balance. Prends des produits frais.
fromage et tout le bordel. On a acheté des trucs. Hein. Oui, bah c'est bon, il restait du pain. Arrêtez avec mon pain. Arrêtez avec mon pain. Je sais que j'en ai jeté. Moi, je veux un magasin rempli à ras-bord. Rempli à ras-bord. L'eau. Je vais faire comme ça. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah. Le fromage. Là, je vais rajouter des œufs, je vais foutre le fromage là. Ah, ça fait plaisir. Je sens que mon supermarket, là, il est en train de prendre une autre dimension. Les œufs. Allez, on remplit les yaourts. Ah merde, mais c'est pas grave parce qu'il y aura un étage complet de yaourts. Les gens adorent les yaourts. Ah merde, les œufs, là, ils m'emmerdent, là, par contre. C'est pas grave, on va les mettre en réserve. Hop. Et les yaourts, parfait. C'est parfait. Comme ça, on va pas être perdu. Non, vous en pensez quoi? Moi, ça me semble bien. Le pain pour les pigeons. Là, on a les œufs, le fromage, bon. Pour l'instant, on va pas racheter parce qu'on n'aura pas les moyens. L'eau, le lait, on est bien. Là, les gâteaux, le chocolat, il faut en racheter, on n'en a pas assez. Il faut racheter du thé, gâteau, chocolat. Mais pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. On va vider là. Les produits ménagers, il faut racheter des produits ménagers pour tout mettre. Papier toilette, savon, on prend tout, c'est quoi là? Un truc de sel. Ah, c'était plein. Ok, le truc de sel, on s'en fout. Donc j'ai dit les produits ménagers, mais je pense qu'on va pas avoir assez d'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un prêt à la banque de 750. On prend des risques là. On a fait deux prêts. On a fait 2750 € de prêt. Hein. Dis ça, je dis rien. Mais on était obligé. Savon pour les mains, produits nettoyants, eau de javel, pastilles lave-vaisselle, shampoing, papier toilette. On en prend un de chaque. On commande. Allez, go. Go, go, go. Ouais. On est parti là. Hein. On est parti. Les savons. Sauf que les savons, je vais les mettre là. Alors attends, prends celui-là. Il me faut que je rachète un savon. Ouais, un carton de savon. Je double. Il restait un yaourt encore. Merde, on l'a acheté. Revois tes prix avant de commencer la journée. Ouais, on va avoir tous les prix. Non, là, on fait un boulot de dingue. Hein. Les gens se rendent pas compte, mais... Papier toilette. Est-ce qu'on fait... Non, pour l'instant, on va le mettre à côté. Mais je me demande si on va pas faire toute une étagère de clean dish. Le PQ, ça prend une place de dingue. Hein. On reprend un PQ qu'on met là. Ça fait pas très propre, mais... Mais encore que je suis bête, bah oui, surtout qu'il nous en reste. Ouais, tu sais quoi? Bon, voilà, ça fait pas super propre, mais ça me semble pas mal. Là, on a vidé le machin, donc ça, c'est bien. Un savon, un shampoing, une eau de javel et un clean dish. Un savon, un shampoing, une eau de javel, un clean dish. Un savon, un shampoing, une eau de javel, un clean dish. Une eau de javel... Un clean dish, un savon, un shampoing, c'est validé. Allez, go. Cette mise en place de dingue. Hein. Là, on a un vrai petit... Là, c'est du lourd. Hein. Le shampoing, ok. Ah. Terrible ce jeu.
Alors, ce qui fait chier, c'est que voilà, il va me rester un savon qu'on va pas jeter. Le savon à côté des œufs, tout va bien. Le clean dish, comme ça, j'en ai un peu en stock, c'est très bien. On va le mettre là. On va essayer de pas trop empiler. C'est vrai que ça rend un peu le truc moins répétitif là. Allez. La javel. Là, il n'y a plus de javel, hein, on est d'accord. Hein. Ok, bon. Bon, il y a un petit trou là, mais on fait avec. Là, on s'occupe de ce rayonnage. Farine à fond. Hein. Farine à fond de ce côté. Et huile. Hein. Huile. Et sel. Alors, il y a un peu plus de bleu, mais elle est moins chère. Elle est premier prix. Donc, c'est normal. Si on a s'il nous reste des sourds, on prendra la farine rouge. Mais je pense pas qu'il nous en restera. L'huile. Le sel, on va le mettre au-dessus. Franchement, ça ressemble à un truc là, non? Vous allez me dire non, évidemment. Le sel. Bon, là, il y a un trou. On verra si on a de l'argent ou pas. Et maintenant, on s'occupe des pâtes. Alors là, je dirais que c'est presque 4 et 4. Hein. Ah, il y a le riz aussi. Il y a le riz. On n'a plus de riz. Le truc, c'est que ce serait la logique vu qu'on a deux sortes de pâtes et qu'une sorte de riz. Donc, on va refaire une opération sur... Ouais, non, mais on va faire tous les prix. Hein. Là, sérieux, on refait tous les prix. On va prendre deux pâtes. Deux pâtes comme ça. Ou alors non, je prends trois pâtes. Comme ça. Ça va être rangé un peu bizarre, mais on s'adapte. Les trois autres pâtes aussi, les Eco Plus. Deux, trois. Et je prends deux riz. Ouais, on a encore l'argent, c'est bon. J'en sais rien, Spritz, mais on voulait se faire plaisir, que ça ressemble enfin à quelque chose. Peut-être que oui. On va bientôt avoir la réponse. Il me manque un peu de thé, un peu de café. Et, on arrête les dépenses là. Hein. Un café, un thé. Un chocolat pour remplir là, c'est un peu vide. Un café, un thé, un chocolat. Et je pense que c'est bon. Ça a quand même une petite gueule. Là, il y a un petit trou. Bon, d'accord. Ok. Mais... Ça ressemble à un petit truc là. Il y a un truc. Ah ouais, c'est mieux quand tout est rempli. Bon, je reconnais, les allées sont étroites. Mais ça passe. Ah, les trucs sont remplis. Là, il nous manque aussi un truc, mais bon. On va faire un petit peu les. On va faire les prix. Hein. 4$ prix du marché, 3,92. On reste là-dessus. Je pense qu'il faut faire plus ou moins. D'un dollar, là, 5,479, on est à peu près dans le machin. Et le papier toilette, 15,41, je laisse à 15. On est bien, là. On observe les clients. Ça y est, ça commence à rentrer, ça vient plus tôt. Ah, monsieur Chocapic, là. C'est monsieur Chocapic, et non, il veut se laver les mains, il prend déjà... Oh là, trois trucs, il dévalise le machin. Il va chercher du chocolat. Pour l'instant, il dit pas qu'il y a des trucs trop chers. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Oh putain, il prend 50 000 produits, là. J'espère qu'il nous vole pas. Il prend des Chocapic, oui. Il prend pas de Chocapic. Il prend pas de Chocapic ce matin. Attends, tout ce qu'il a pris, il a pas pris de Chocapic. Il en a pris des trucs. On a que 2,35 en banque, hein. Donc, faut faire une grosse journée, hein. Clairement. Hein. Il y a pas grand monde, là, ou c'est moi. Ah non, il va se mettre là, juste au moment où j'allais me barrer. Hop, hop, hop. Là, on va faire du business. 52. Je lui rends 8. Allez, c'est bon. Je vais aller voir quand même si les rayons... Essayer de les garder à peu près. Ok, là, il n'y a pas de panique à avoir. Tout va bien. Ça prend de l'eau. Bon, là, c'était vide. Ils vont pas me prendre de papier toilette. Oubliez pas, hein, la promo sur le pain aujourd'hui. Hein.
Le pain, opération spéciale. Pour acheter le quatrième offert. Allez, déjà 10h, mais là, il y a du monde, là. Là, il y a du monde qui rentre. Il hein. Y a les bouteilles de je sais pas quoi, de la vitre qui s'envolent. Les bouteilles d'eau aussi. Allez, allez, allez. Bonjour, monsieur. Un peu de PQ, des bonbons. Bah ouais, c'est normal, hein, vu ce qu'il a pris. Il a pris ses précautions, il a pris du papier toilette. Et il a bien fait. Allez, par contre, personne veut venir à ma caisse, là. C'est bizarre. Sans le pâté, je ne sais pas. Il lui revient, il lui revient. Allez, 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 189. Il faut vendre plus, là. Hein. On vend pas assez, on vend pas assez. Chocolat, ok. Tout est bon pour l'instant. Tu vas me dire, chocolat, c'est juste là, rempli. Ah non, personne n'en a pris. Ah bah merde. Le thé, je peux re-remplir un peu à nouveau. Voilà, comme ça, ça c'est bon, c'est fait. Hop. On n'a plus de thé. Et évidemment, ils viennent à la caisse. Oh, juste ça, monsieur. Vous avez pas vu que vous aviez les Chocapic, là? En promo? 2$, ça fait mesquin. Allez, de l'huile, des œufs, la carte, on prend 30$. Pour l'instant, la journée est un peu décevante, hein. On va pas se mentir. Des œufs. Ok. On espérait mieux, là. Hein. On espérait mieux, on est un peu déçus. Allez, allez, go. Go, go, go. En fait, ils viennent quand je suis pas là, quoi. Hop, je prends la monnaie, 45$. Ok, c'est bon. Putain, il prend qu'un produit, 7$, la farine. Il en faut plus des céréales. Comment ça? Mais non, des céréales, on est au max là. Non, 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 c'est bon, on est bon en céréales là. On est bon, le pain part un petit peu. Allez, les pâtes partent pas. Hein. Ah, le riz, les gens n'aiment pas le riz. Hein. Je sais pas, mais les gens n'aiment pas le riz. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est bon, mon riz. Je ne suis pas cru. Comment ça se fait? C'est notre concurrent qui nous a... J'espérais faire au moins 1000. On était à 2$. Là, on est qu'à 451. 24. Ils ne veulent plus ton riz. Comment ça, ils ne veulent plus mon riz? 44. Ouais, charmante en plus. Je suis bloqué, pardon, excusez-moi. Elle a pris du sucre, des crispies. Oh, ils sont bons nos crispies, madame. Ils sont très très bons, c'est les meilleurs du secteur. Des bons crispies, c'est la banqueroute. Mais non, c'est pas la banqueroute, mais on va payer le... On a des frais là. Donc là, on est un peu déçus. On est un peu déçus de la journée pour l'instant. Putain, il prend qu'un produit. 3$. Sérieux? Et je pense que les gens ont tout trouvé, par contre. Hein. Je pense que les gens vont être contents, mais... Ah, il va falloir des lumières, là, au milieu. Hein. Mais bon, j'ai pas confiance. Le fromage, le comté, il est très très bon, madame. Le meilleur comté de l'Ouest. 657 seulement. Ah ouais, mais on voulait fêter le renouveau du magasin, après travaux, la réouverture après travaux. Donc voilà, on fait des prix et finalement les gens ils achètent pas. Putain, je suis en dessous de 900, je suis dégoûté. Hein. On va être en dessous de 900, c'est sûr. À moins d'un monsieur qui achète tout le rayon de riz. Rentrez, rentrez, rentrez. On fait nocturne aujourd'hui. On fait nocturne, on essaye. Ah, je suis dégoûté. Allez, peut-être qu'on va les faire les 900. Peut-être qu'on va les faire. Peut-être qu'on va les faire. Allez, il y a encore du monde dans le magasin. Non, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être possible, je veux dire. 1$. 816. Il y a encore 2 personnes. 3 personnes. Allez, il faut envoyer là, messieurs. Messieurs, faut se faire plaisir. Faut prendre tout le PQ. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, on va le faire. On va le faire. Finalement, on s'en sort à la fin.
Les gens qui sortent du travail, là, ils font leurs courses. Ouais, il a pris des produits chers. On va les faire, les 900. On va les faire. Merci, monsieur. Merci beaucoup. 59 en rendu. On va les faire. Oh. Oh, mais après, on a été un peu déçus quand même. On a pris peu d'euros. Mais bon, au final, la journée est correcte. On a fait 960. On va payer les factures quand même. 918 au final, la journée. Il nous restait plus rien. On visait 1000. Ah ouais, mais bon. On n'avait plus rien, on est proche de nos objectifs. Il y a peu à remplir, on va re-remplir les rayons. Hein. Après là, le côté coupe-gorge de cette allée, je suis pas sûr que ça plaise. Hein. Je dis ça, je dis rien. Faut que j'achète une lumière. Ah mais non, je peux pas. Mais ouais, bon, ça c'est à travailler avec la direction.